qui tournoie et un blanc et noir liquide du Mars laisse le faire innovation. Voilà, donc supporters à vous, très bon match à vous et nous allons encourager votre équipe. Merci de l'applaudir très très fort, la numéro 11, Charlotte Camus. Avec le deuxième but pour moi, inscrit par le numéro 9, Maria Lamira Chalet. Thank you.
ovation pour le Mars. Merci de l'applaudir très très fort. La numéro 7, Tracy entre le CS Mars Bichem et l'US Rouvroy, donc sur ce résultat nul de partout, on peut quand même le féliciter pour cette très belle rencontre cet après-midi. Je suis avec Patrick Le Goff, l'entraîneur du CS Mars Bichem de l'équipe féminine, l'équipe 1. Alors aujourd'hui tu as joué contre l'US Rouvroy. Oui, Rouvroy, on espérait effectivement revenir à 3 points de ce soir, puisque ça nous aurait permis d'essayer d'éviter la dernière place. On n'a pas su concrétiser nos actions, on n'a pas été efficace, je dirais, dans la surface de réparation. On a eu 3-4 occasions de marquer le but vainqueur, comme eux à la fin du match aussi, d'ailleurs, ont eu une occasion de marquer. Donc, bon, je suis content pour les filles, effectivement, de ne pas avoir perdu. Ça faisait un bout de temps, effectivement, que ça ne nous était pas arrivé depuis le match de Nancy. L'équipe progresse, ça c'est positif. Maintenant, voilà, on sait qu'il nous reste 6 matchs, et ben on va tout faire pour enfin gagner un match et pour qu'elle soit fière. Mais je pense, je suis assez fier d'elle quand même, parce qu'au bout de 16 matchs, d'avoir cette envie encore, il faut le faire. Il faut le faire, sortir mon coup de chapeau.